Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve pour cette troisième vidéo sur le renforcement des ischios, l'arrière de la cuisse. Aujourd'hui, après avoir fait une première vidéo avec 10 exercices pour les ischios à poids de corps, je vous mets le lien par ici. Après une deuxième vidéo avec 6 exercices à faire pour les ischios avec un élastique, pareil, je vous mets le lien par ici. On se retrouve pour la troisième vidéo, donc travailler les ischios avec des haltères. Il y aura 5 exercices pour renforcer ses ischios, l'arrière de la cuisse avec des haltères. 3 exercices type soulevé terre, 2 exercices type leg curl. On commence, donc premier avec des haltères. L'idée évidemment c'est d'avoir un poids adapté. Ça va être le soulevé terre, jambes tendues. Haltères dans chaque main. On vient pousser les fesses vers l'arrière, les bras restent tendus. On redescend jusqu'à sentir l'étirement dans les ischios, genoux légèrement fléchis, on maintient le dos bien plat. Et quand on sent l'étirement dans les ischios, on va commencer à arrondir le dos, on ne peut plus descendre, on remonte. Expirez en cours de descente. Cherchez toujours un mouvement fluide, contrôlé. Contrôlez bien la phase excentrique, la descente. Cherchez à pousser les fesses vers l'arrière. Maintenez le dos bien plat. Vous pouvez aussi le faire avec un seul haltère dans les deux mains ou avec un pack d'eau ou tout autre poids, ça marche aussi. Le deuxième, ça va être le soulevé de terre sur une jambe, les ischios avec le balancier. On vient relever la jambe derrière pour maintenir le corps aligné, jambe d'appui légèrement fléchie. Contrôlez bien le retour en redressant. Cherchez à maintenir l'alignement. L'amplitude va varier en fonction de chacun. Vous pouvez le faire aussi celui-ci avec un seul haltère ou avec les deux. À vous de voir en fonction de la charge que vous voulez mettre, de l'équilibre que vous apportent les haltères aussi. Expirez en vous redressant. Troisième exercice, ça va être le soulevé de terre sprinter. Pareil, on va le faire soit avec deux haltères, soit avec un. Jambe d'appui légèrement fléchie, ça va être la jambe avant. Jambe arrière, on garde que la pointe de pied au sol, le dos bien plat. Et on va venir basculer le corps vers l'avant. On se redresse complètement à chaque fois. Gardez le dos plat en basculant vers l'avant. Contrôlez bien ça. Soyez sûr du placement de votre dos avant de vous lancer dans cet exercice. Ok, on se va reposer. Un haltère pour le leg curl allongé. Ce qu'il va falloir, ça va être allongé à plat ventre, venir attraper l'haltère avec les pieds. Vous pouvez aussi demander un coup de main avec un pour vous placer et on va ramener les talons vers soi. Cherchez bien à contrôler le mouvement, en particulier sur la phase excentrique. Ne laissez pas les jambes retomber d'un coup. Et l'option suivante, ça va être le leg curl allongé, toujours, sauf que là on va augmenter l'amplitude en se mettant sur un banc. Donc genou au bord du banc,
Hop. On vient le genou au bord du banc. On coince les pieds. On coince la terre dans les pieds pour venir faire un autre leg curl. On peut gagner un petit peu en amplitude. On va pouvoir descendre plus bas. Donc on contrôle vraiment la phase excentrique, on ne laisse pas les jambes redescendre jusqu'en bas. On garde le contrôle du début à la fin. Serre bien les pieds. On va laisser le delta partir. Que de s'installer. Merci d'avoir suivi ces 5 exercices avec moi. J'espère que vous avez trouvé les exercices qu'il vous fallait pour travailler, pour renforcer vos ischios. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la page, c'est important pour vous. Ça m'encourage. À vous abonner à cette page, c'est important, ça m'encourage à vous proposer de nouveaux exercices, de nouvelles séances. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quels exercices, quelles parties du corps vous aimeriez travailler, trouver dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour renforcer ses ischios avec des haltères. Et vous retrouverez prochainement sur cette page une vidéo pour renforcer ses ischios avec une Swiss ball. Merci et à bientôt.